C'est à l'occasion de la dédicace de son livre que Jean-Michel Tardif nous présente un remarquable personnage né à Angles, Alexandre Herdan. Ce personnage m'a plu, c'est quelqu'un de brillant, mais c'est quelqu'un avec de grandes qualités de cœur. C'est un écorché de la vie, c'est quelqu'un voilà, qui a de très grandes qualités. J'ai trouvé que ce personnage était très intéressant et je me suis un peu retrouvé en lui. Alors Alexandre Herdan donc, est né en 1826, donc c'est un enfant naturel, commencé par le séminaire, mais il ne s'est pas plu dans la voie religieuse. Et au moment de la révolution de 1848, il est passé dans le journalisme. Il a travaillé dans le journal L'Événement, qui est un journal, qui était le journal de Victor Hugo. Et là, il a défendu bec et ongles la République jusqu'en 1851, le coup d'État de Napoléon III. Je ne savais même pas qu'il y avait un journaliste qui était né à Angles. Je suis curieux de découvrir le parcours de cet homme et je suis très content que Jean-Michel nous le fasse découvrir.